Souvenez-vous de l'un de ses tout premiers entraînements, Pascal Duprat s'est distingué de la sorte. Si tu marques, je me saigne. Alors forcément, lui qui se saigne, nous qui apprécions la main morte, il fallait qu'on se rencontre et il a accepté notre demande d'interview. C'est en exclusivité pour Weird Malherbe. Oui, bonjour Pascal, merci d'avoir accepté cette interview exclusive. Alors manifestement, vous aimez vous séguer, nous aussi, alors échangeons, si vous le voulez bien, sur notre passion commune pour la branlette. J'ai toujours considéré que c'était une de mes missions. Parfait, vous me disiez justement au sujet de la main morte que ce que vous appréciez, c'était plus précisément de manifester un réel enthousiasme à la pratique, donc de l'enthousiasme, de la prise de risque, d'initiative. Et par le passé, vous êtes toujours ségué très très fort. Je craignais une fracture. Mais vous avez tout de même largement évolué dans votre pratique de la main morte. Ma volonté, c'est de limiter les phases préparatoires statiques. Après, c'est une question de philosophie. Donc ça réclame davantage de profondeur. C'est limiter la préparation. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui me tiennent à cœur. Mais vous êtes plutôt frénétique ou vous prenez votre temps? Le gain de l'espace profond est extrêmement prépondérant. Les transitions rapides sont importantes. Oui, donc finalement, vous prenez un certain retour à la simplicité. Il suffit de faire un effort. On est en réaction à ce moment-là. Et vous diriez que vous pouvez vous séguer pendant combien de temps? Et vous savez tous, quand on s'économise parce qu'on est cuit, bien fatalement, techniquement, on réalise plus bien, plus correctement. Donc voilà, c'est un peu trop rythmé pour aller à 94 minutes pour l'instant. Mais lorsque vous pratiquez la main morte, vous regardez un film, vous laissez travailler votre imagination, Où on écrit un scénario palpitant, haletant. Oui, c'est finalement une pratique très personnelle. Je suis là pour conduire l'équipe à aller dans ce sens. Ah, vous voulez faire ça avec vos joueurs? Il faut qu'on vive, il faut que nos supporters passent un bon moment. Bah oui, là, effectivement, ça devrait mettre de l'ambiance dans le stade, là. Si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Voilà, merci beaucoup Pascal pour cette interview exclusive. On a pu échanger sur une passion commune et c'était vraiment très très sympa de sa part.